Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bayonetta 2. C'est reparti. La dernière fois, nous avions fait un putain de combat de kaiju avec le sage de Lumen. Et c'était super. J'avais adoré le combat. Par contre, on n'avait pas fait le petit défi qu'il y avait à l'intérieur. Donc bon, je le referai plus tard. Et aujourd'hui, on s'attaque à la cathédrale aux cascades. Et j'ai débloqué une nouvelle arme, donc on la testera pendant ce terrain. Ah, et après le combat, t'as Bayonetta et le sage humain en fait qui sont entrechoqués niveau puissance, et ça les a envoyés tous les deux chacun d'un côté. Elle est à plus de fois sur elle. Oh! Trop cool. On peut se transformer en serpent. Alors, c'est quoi? Drôle de truc. Drôle de truc. Bon. Il nous a transmis le pouvoir de nous transformer en serpent. On va apprendre que c'est un des habitants originels avant que la l'Umbra et la et les gars de l'humaine se sont séparés, qu'il y avait un coin entre les deux. Wake up! Enough jokes! Wake up! Come now, love. You can't let kids' jokes make you that mad. And what about you? Do you really think it's safe to play dead? With someone who can make you dead? Men like to gamble, love. Risking everything for nothing. Seems about right. I know another little boy just like that. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert, though. Let's go. We're almost to the cathedral. Alors certes, mais du coup si je retombe dans l'eau, non je peux pas. Et on peut pas se transformer en serpent comme on veut. Alors c'est quoi ça? C'est quoi comme attaque? D'accord. La cité des flots. D'accord. Avec fidélité, je n'avais pas vraiment regardé. Donc selon ce jeu, le paradis se trouverait au fond de l'océan.
Il n'y a pas les deux vertus cardinales? Non. Ok. Alors, normalement j'ai une nouvelle larme, ouais voilà. Ce chapitre l'a terminé. Est-ce qu'on a des trucs de corbeau ici ou pas? Parce que du coup je l'ai loupé celui-là. Là on en a trois ici. Et les hymnes angéliques. J'ai eu celui-là. C'est cool. Alors juste... C'est quoi, on dirait un serpent de feu en fait son truc. En appuyant sur B, je peux aller plus rapidement. Je regarde s'il n'y a rien à louper. Hein. Un demi-disque. Va falloir faire attention. On peut avoir une nouvelle arme au prochain niveau aussi. Pas très pratique de se battre sous l'eau comme ça. D'accord, j'ai compris. En fait, faut le diriger avec le joystick droit si on veut monter. Je joue rien là. Non, ok. Bon. Eh, ça part en serpent quand même. Elle a trois boucles d'oreilles. Oula. Pas content. Passe au grill sous la flotte.
bien cool. Perle lunaire de plus. En fait, venir en bas, c'était pas la suite de l'histoire. Bien fait de venir en bas. On passe entre. Non. Mal foutu. Elle est sympa la musique. J'ai l'impression de louper quelque chose. Non. Bon, tant pis. La crypte. Serviteur de Dieu. Oh, un gardien féroce. Genre de vertu cardinale, peut être sympa. C'est-à-dire, ce que je pensais, c'est le truc de Luca, pas de son père. Par contre, ça part sur la théorie que j'avais dit tout à l'heure. C'est le truc originel, et ça s'est scindé en deux clans. Un peu comme les Jedi et les Sith. Au départ, c'était les Jedi. Nous on est arrivé là. Alors j'irai au centre après. Avant bien sûr, il y a tout ça à faire. Un cœur. Bon, il n'y a aucune porte qui n'est ouverte. Hein. Ok. On peut. Oh, on peut casser tous les sièges. Enfin, c'est pas des sièges, c'est des tombes, a priori. Bon, on va pas le faire pour toutes, hein. Je pense pas qu'il y ait un intérêt certain. Je crois que c'était examiné, mais non, c'est action. Oula, ça c'est un démon, ça par contre. Le gardien du coin est un démon, pas une vertu cardinale. Pain. An infernal? They don't look like your kind of normal attention. A friend, love? I think my friends and I might have had a falling out. Why would infernals be after me? Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? Some of you are keeping your part of the contract. Let's do this. Is that all you've got? Smash!
sympa comme démon. Je suis pas forcément fan des robots, mais... Appelle Mama. Non. Le cheval. Est-ce qu'il va faire partie de notre panoplie, ce gars? Ce serait marrant. On va créer un lien avec lui en prenant ses écrous ou pas? Non, ça va juste nous faire une arme. D'accord, bon, je l'ai gâché pour rien. Ça aurait dû one-shot tout, j'imagine, mais... Alors là, il y a un bouquin, faut pas le louper. Ou alors, c'est un truc qui va au-delà de l'équilibre de l'Umbra et du Lumen. Parce que s'il y a un dieu créateur, il y a aussi un dieu de la destruction. Et du coup, là le truc de symbole là, ils disent, attendez, c'est quoi? Le dieu du chaos, voilà. Donc, dieu du chaos, ça serait l'équivalent contraire du dieu de la création. Et dans ce cas-là, le petit gars, là, qui est avec nous, c'est le dieu du chaos. Enfin, c'est le dieu du chaos. C'est un représentant du dieu du chaos. Et nous, sorcières et lumens, on était représentants du dieu de la création. Donc en fait, on est un peu ennemis, peut-être. Pain. Trop. D'accord, donc tous les démons qu'on va affronter, ils seront là. Et Pain va devenir un démon normal à la fin, j'imagine. Ouais, c'est quoi le... l'arme qu'il y a dessus? Des griffes. On risque d'avoir des griffes pour le prochain épisode. J'imagine qu'il faut monter. Dans ce cas, on va pas le faire tout de suite. Voilà. Oh, les méchants bébêtes. Je vous avoue qu'ils sont pas ouf, hein, ces armes. En vrai. Je me débrouille mieux avec soit le flingue, soit les épées. Elles ont l'air quand même fermables. Plus mal.
remarquez. Bon, elles sont plus lourdes, c'est un peu normal. C'est pour ça que je les aime pas trop. Elles sont lourdes. J'aime pas trop les armes lourdes, perso. Je préfère quand c'est rapide. Alors c'est éliminé là. Ouais, on peut y aller. Eh bah parfait. Le disque qui me manquait. Comme ça on aura les griffes pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Ce sera des griffes, je pense. Un truc du genre. Cool le bonus. This is it. The bridge to the heavens should be right above us. Are you sure? Not really. Not really, huh? But you're right. This is it. Call it a woman's intuition. Women's intuition. What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. What? I spent 500 years not knowing who I was. I only found out the truth recently. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to. It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. If that's all you know, that's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Bayonetta. Let's do it. Ah bah, il y a le défi de Muspelheim là. D'ailleurs, est-ce que c'est le premier ou... Est-ce que j'en ai loupé? On va voir. Oh, plutôt combat avant la fin du temps imparti. Simple. C'est des kamikazes, c'est ça que j'ai failli me faire avoir en vrai. Je disais simple, mais ils étaient un peu plus agressifs que d'habitude. Tu m'étonnes que j'ai l'argent. Hop, plus de vie. Parfait. Et du coup, est-ce que c'est le premier du coin ? C'était le dernier, j'en ai loupé. On en est au verset 8. Va falloir que je les fasse, de toute manière. J'y retournerai. Parce qu'il me faut les cœurs. Et... Il n'y a pas énormément de combos avec ce truc. Hein. C'est quoi, c'est là? Ouais, si je reste appuyé, ça fait quoi? C'était lance-lame! Je me demandais ce que c'était ce truc, mais c'était lance-lame.
Putain, il est quand même venu ici, hein. L'autre andouille de Luca. Il est pas si mauvais. Aucun coffre. Ok. I think I remember this. Huh? Il attendait. You again? Oh, hey, Mouthy Brat Kid. So, I see you're acquainted. How did you get here? I'm the great Luka Luca. I didn't go through all these ridiculous ordeals to just randomly show up in opportune places, you know. See? Risking everything for nothing. Told you I knew someone just like that. So, what are you after this time? Oh, loads of stuff. For instance, I found this really great place for seafood. They do an amazing sardine meuniere. But more importantly, I'm investigating an old Noatun story known as The Legend of Aesir. The Legend of Aesir? And this fairy tale is? Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The Legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. D'accord, donc c'est bien le dieu que l'autre a essayé de ressusciter, quoi. Aesir pitied the naïveté and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves, and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light, and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds. And we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes? That's right. The eyes of the world, controlled by a Lumen sage and Umbra witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage. Do the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer.
How do you find these things? I've done my homework. Would you expect anything less from the marvelous, magnificent, magnanimous Luca? Bayonetta, get on. Nous le dernier. Encore lui. Shit, we're not going to make it. Va contrôler le petit. On contrôle le petit. D'accord. Saute trop tôt à chaque fois. If I can just do something about that. Mama. Oh, un de glace, un de feu. Ah, nous tous les gars. Almost.
Il est plus facile à placer le truc des chauves-souris en... dans ce jeu. Est-ce qu'il a fait exprès d'oublier sa mémoire et de partir vraiment d'ici? Et du coup à chaque fois qu'il avait prévu en fait qu'il se verrait dans le futur, tout ça, et il s'attaque lui-même à chaque fois, enfin, se tirait par les cheveux, mais ça en a tout l'air en tout cas. Bon, un petit truc d'argent, c'est pas grave. Vers les cieux. On va juste aller au magasin chercher nos armes et on les testera dans le prochain épisode. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. Had to crawl down to a deep circle to get this bad boy. I think he'll do great. Ah, c'est carrément une faux. Bon. Mais bon. Et bah la faux. On la testera au prochain épisode, tout simplement. Et moi, je vais aller faire les défis que j'ai pas réussi à faire, du coup, histoire de prendre les bonus, et chercher aussi les corbeaux qui me manquent. Sur ce, je vous dis à tous, à dans 4 jours, pour la suite de tout ça. Allez hop!